nous sommes sur la cabane des Lulus, telle que l'avait décrite Régis Autière et Hardoc sur la BD. Sauf que bah, la nôtre va être plutôt côté pierre, côté brique, alors que la cabane d'origine est plutôt côté bois. On est sur la commune de Trèfecon, mais on tourne aussi sur Tertry, qui est une commune un petit peu plus loin, sur le même chemin. Nous avons découvert un cimetière abandonné, où Yann Samuels a voulu absolument inscrire ce décor dans le scénario. Ça n'était pas prévu à l'origine. En fait, ce qui est fou, c'est que ce cimetière, je crois qu'il était abandonné en 1870, que le village a été détruit, c'est un village ici. Donc il reste les ruines de l'église là-bas et quelques tombes. Alors toutes les tombes ont été vidées, réparties sur les villages environnants. Et restent les pierres tombales pour celles qui sont restées sur place, en place, qui sont un peu de guingois, un petit peu de toutes parts. Et celle-ci, elle est formidable. En fait, l'arbre a poussé autour. C'est fou, la nature reprend toujours le dessus. Par la suite, juste un petit peu plus loin, un autre décor qui est la maison de Louison, la sorcière du village, qui va accueillir nos Lulus. Il faut que tu viennes jusque là pour les voir, tu vois. D'accord. Tac. Et à tous les enfants, vous êtes tous sortis là. C'est une BD qu'on a voulu adapter déjà il y a un petit moment. Et il a fallu convaincre un réalisateur de nous rejoindre afin d'adapter la BD. Ce réalisateur, okay. C'est Yann Samuel. Il a été convaincu assez rapidement. C'est le premier qu'on a contacté, c'est le premier à nous avoir dit oui. Je me souviens de l'anecdote, c'est qu'on a déjeuné ensemble avec son agent. Il est reparti avec 6 BD, il y avait 6 tomes de sortie à l'époque, 6 BD dans sa besace. Il a rappelé une semaine après, il nous a rappelé en disant « Vous m'avez eu ». Là, ça fait 3 semaines qu'on tourne. On a un tournage en 2 parties, une partie mois d'août, on va dire, et une partie octobre-novembre. On est à la vraiment fin de la partie août. Ce matin, et puis les autres jours, il faisait moche. Voilà, c'est un non-été, voilà. On s'est réadapté, c'est ça toute la magie de notre art, c'est de faire avec les contraintes. Rééclairage, recadrage, il s'agit plus de vraiment construction de l'image. Action! On est vraiment dans le premier acte, début du second acte, on va dire. Nos héros, les orphelins, ont perdu leur orphelinat et puis il se trouve une maman qui est une sorcière, enfin une sorcière, ce que tout le monde appelle une sorcière dans le village, qui est la dernière à être restée alors que les Allemands ont fait leur avancée. Et donc ils arrivent chez Louison. C'est un personnage que j'ai créé de toutes pièces parce que je voulais qu'il y ait une figure maternelle très forte, puisque ces orphelins sont en recherche d'une famille, puisque c'est tout le trajet initiatique de ces enfants. La guerre est un contexte dans lequel on perd tout au fur et à mesure et eux, ils gagnent au fur et à mesure. Et donc, ils commencent par se trouver une maman d'adoption, bon, qui va être déroutée là, c'est la scène qu'on vient de tourner, mais il se trouve une figure maternelle très forte, voilà. Les officiers français, il ne faut pas prendre de risques. Allez vous cacher, les enfants. Luigi, il est spécial, il est... C'est un ours au cœur tendre. Il est bourru, mais je pense qu'il aime beaucoup ses camarades et qu'il est très, peut-être un peu un petit rôle paternel avec les autres. Cula, voilà. C'est vraiment, c'est historique, mais il y a quand même des choses drôles dans le sens où il y a l'innocence des enfants qui fait qu'il y a des moments drôles. Voilà. Mais c'est, voilà, c'est ce côté... ces contrastes entre les différentes scènes du film et les différents moments de la BD. Ça bouge tout le temps, on a des cascades, il y a eu des bombes, il y a eu des explosions, il y a eu des tirs au fusil. Et c'est pas fini, on va encore faire plein de choses rocambolesques. Mais voilà, comme on dit, on joue. Donc un acteur, il joue. Donc pour moi, c'est pas des vacances non plus, mais c'est parce qu'on a quand même un rythme à suivre. Mais c'est quand même quelque chose... un travail et c'est très amusant à faire, donc non, c'est pas vraiment un travail. Ça va et toi, Benji? On prend exemple sur toi, tu sais. C'est un gros tournage. On peut appeler ça un gros tournage d'époque. L'ensemble de tous les paramètres, costumes, accessoires, décors, et le nombre de figurants qu'on a eus, par exemple, la première semaine. Et tous ces petits détails d'époque qu'il ne faut pas oublier. Ça demande beaucoup plus d'attention qu'un film contemporain. Et tu vois, dans des décors comme ça, qui sont assez grands, vastes, on est obligé, avec mes assistants, de bloquer tous les accès, d'enlever tout ce qui nous gêne à chaque plan.
Donc dès que tu te retournes, dès que tu fais le contre-champ du champ qu'on vient de faire, il faut tout enlever, il faut que l'équipe soit soudée pour aller au plus vite possible pour entrer dans les journées. Il y a plein de connivences. Comme tu l'as dit, il y a plein de connivences déjà entre nous. Et on se connaît par cœur. Et encore une fois, le côté humain est le plus important sur un plateau. J'ai toujours dit à mes assistants, vous êtes assistant réalisateur, mais vous avez, il y a 90% d'humain et 10% de listes et de plans de travail à faire. L'aspect humain dans le travail, dans l'équipe, sur le tournage, qui soude et qui fonde l'équipe, c'est le plus important, sinon ça ne marche pas. On préfère faire ça que du contemporain, évidemment. C'est surtout ce film, en fait, c'est beaucoup un amour du scénario pour moi. J'avais plein de propositions et j'ai choisi celui-là. Voilà. Pour le scénario. Alors pour la mélancolie. Il parle des gens. Il parle de l'histoire des gens. Que ce soit en 14 ou en 2010, les films qu'on fait, c'est les histoires des gens. Et là, c'est un point en 14, mais ça peut très bien se passer aujourd'hui en Irak. Avec des enfants qui fuient la guerre de la même manière. Toutes les histoires auxquelles je participe, en fait, je les garde. Je les garde en moi, en fait. C'est des pans de vie, en fait. C'est des vraies histoires de vie pour moi, individuellement. Et je m'implique à 500% là-dedans quand je fais un film, tu vois. Donc je ne peux pas l'oublier. Après, évidemment, dans 2 mois après, je vais en faire un autre. Mais celui-là restera ancré à tout jamais. Comme les autres. Parce que le film, finalement, l'intérêt de la vie, c'est pas le cinéma. C'est la vie. C'est la vie. Ça sera pas. Il pleut toujours. Il pleut toujours. Éventuellement, oui, c'est peut-être ça. Parce que je l'ai lâché en plus, je pouvais plus rien faire. Est-ce que c'est difficile à cadrer ces scènes de train avec du mouvement, la caméra à l'extérieur, au bout de la grue? Non, pas tant que ça. Non. C'est pas simple parce que cadre manivelle, c'est quelque chose de pas forcément évident, mais non, c'est. Non, ça va, franchement. C'est pas ça les va. Plans les plus complexes. Non, c'est pas les plans les plus complexes. Alors. Ouais, l'installation est un peu longue. Ouais. Taquet. On va pas problème. Pas taquet. T'as vu les Allemands là-bas, regarde. La main. On n'a pas fini, mais c'est pas grave. C'est ma journée préférée aujourd'hui. Merci. Thank you.
Au moins qu'une semaine, il reste 4 jours en comptant celui-là. C'est le dernier jour de tournage, c'est très émouvant. C'est très émouvant. On s'est tous retrouvés ce matin en se disant ouais, c'est le dernier lundi. Voilà, et, ouais, c'est chouette. C'est dur. Non, c'est une très belle aventure. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais on profite à fond. Mais c'était une très belle aventure, une très bonne équipe et c'est devenu une très belle famille. Il y a un petit pincement au cœur. En même temps, on est sur la femme. En même temps, on est sur un décor qui nous tenait à cœur tous depuis longtemps. On sent cette atmosphère de fin. Et c'est vrai que ça fait drôle parce qu'on sait qu'une fois que c'est une famille qu'on quitte, quoi. Et une fois que tout ça va s'arrêter, ça va nous faire un gros, gros vide. Je pense que ça va faire un effet blues un peu quand on revient de festival où on est entouré de monde. On peut discuter avec les gens, faire des rencontres, et puis du jour au lendemain, on se retrouve tout seul dans l'atelier. Et là, ça va faire un gros silence et une absence, quoi. Donc ça va faire un pincement au cœur, parce que oui, l'aventure va s'arrêter pour le tournage, mais après, ce sera le travail personnel de Yann et toute l'équipe sur la post-production, et on se revoit tous se retrouver seulement pour la sortie du film. On est en novembre, ça fait depuis août qu'on tourne, donc c'est quand même une belle, belle aventure pour tout le monde, et on termine dans une semaine, je pense qu'on va avoir une petite larme. Et en plus, comme on est sur la fin de notre histoire et du film, on est complètement dans l'action. Donc là, on fait que des séquences d'action véritables sur un décor magnifique. Silence partout, moteur. Clap de fin. Tourne. Et action. Vous doutez de ma parole, moi qui soigne vos blessés autant que les nôtres. Colonel, vous m'écoutez. Sortez, je n'héberge personne ici, colonel. Colonel. Force ! Il y en a eu plein des belles rencontres, beaucoup, beaucoup. Je pense qu'il y aura pas mal de rencontres qui seront inoubliables, mais ouais. C'est impressionnant parce que moi, j'ai toujours vécu dans ma petite ville, enfin dans ma petite ville, c'est une grande ville, mais dans ma ville à moi depuis que je suis née. Et me retrouver au milieu de nulle part, sans aucun repère vraiment, avec des gens qui viennent de partout dans le monde, dans la France, c'est fou quoi, parce qu'on vient pas du même endroit, on n'a pas les mêmes cultures et on a vécu ensemble. Et maintenant, je suis très triste à l'idée de les perdre, de me séparer d'eux. Donc voilà. C'est une satisfaction aussi de voir ta place se terminer, et puis se terminer de belle manière, puisque tout le tournage s'est vraiment très très bien passé. On sent quand on vient ici, il y a eu une ambiance incroyable. Sur le tournage, entre tous ceux qui ont participé, que ce soit tous les techniciens, les figurants, les acteurs, etc. C'est surtout ça qui domine. C'est une expérience qu'on ne vit pas tous les jours. Il faut prendre ça comme si c'était la dernière fois qu'on vivait une expérience comme celle-ci. Et du coup, ouais, ça fait bizarre. Là, il ne nous reste plus que 3 jours et après, c'est la fin. Après, il y aura d'autres aventures, bien sûr, avec tout ce qui est promo, la sortie du film, etc. C'est vrai que la meilleure partie, là où on vit les meilleurs moments, c'est sur le tournage, quoi. Donc voilà. On s'entend tous très bien, c'est que du vrai amour, on va dire. Entre nous, à la maison et tout, c'est vraiment une famille, quoi. De toute façon, on vit H24 ensemble, donc on est devenu une vraie famille, quoi. Et je pense que l'émotion, elle sera surtout là quand le film va sortir, puisque là, ça va vraiment se matérialiser. Là, c'est juste une étape, le tournage. Après, il va y avoir toute la post-production. Et puis vraiment, la sortie du film en salle de cinéma, c'est ce qu'on attend avec impatience. Donc il y a une émotion, mais ce n'est pas non plus une émotion qui est très, très, très forte. C'est plus vraiment de la curiosité par rapport à ce que va être la suite. Le message, c'est que c'est une phrase tout bête, hein, mais qu'il ne faut vraiment pas avoir de jugement sur une personne par rapport à ce qu'il est physiquement ou ce qu'on a entendu de lui. C'est du partage, c'est qu'on est tous, pareils et on peut tous, même si on est complètement différents, on peut tous évoluer ensemble. C'est super touchant de voir autant de personnages qui s'entraident les uns les autres alors qu'ils ne se connaissent pas spécialement. Et j'aime beaucoup le côté fraternel de la BD. On fait vraiment des rencontres différentes, de personnages différents avec des caractéristiques tous différents. Et c'est le fait d'évoluer ensemble et de s'adapter à chaque personne. C'est un film hommage, mais c'est un film d'aventure, mais c'est un film sur la fraternité, donc sur l'entraide. Ça explique aussi grandement l'humain. Donc
ça explique ouais, la différence. L'autre n'est pas un ennemi forcément en fait. Sinon, je pense que c'est un très très beau film et qui va plaire à beaucoup de gens, je pense. Je pense que le film correspond quand même franchement beaucoup à ce que j'avais en tête au moment de l'écriture. Il y a bien sûr, heureusement, toutes sortes d'ajouts et de créativité qui sont intervenus entre-temps de la part de toutes les équipes. Hein. Et puis même sur le plateau aussi, parce qu'il y a tout ce qu'on fait en préparation, et puis tout ce qu'on invente et qu'on réinvente sur le plateau, c'est aussi ça la liberté de création. Et ouais, je projette assez bien le film que ça va être, qui module entre drame et comédie, comédie et drame, et qui nous balade dans une époque, dans un tourment d'une époque qu'on a un petit peu oubliée. Ce qui est super beau, c'est de découvrir, entre guillemets, la guerre sous le regard des enfants. Ces enfants, ils grandissent, ils espèrent que le monde va les accueillir. Puis en fait, quand on ouvre les portes de l'enfance, c'est le chaos le plus total et ils doivent composer avec. C'est pas la même poésie, c'est pas la même histoire, c'est pas les mêmes craintes, c'est pas la même compréhension de l'histoire, quoi. Donc le fait de tourner avec eux, c'est un vrai kiff. Et c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup aussi dans la bande dessinée, c'est-à-dire que le contexte d'une guerre, par définition, c'est un moment où de destruction et de déconstruction. On perd des gens, on perd des lieux, on perd des pays. Et ces enfants qui commencent orphelins, donc ils n'ont rien, eux, au contraire, vont faire le chemin inverse. Ils vont se construire une famille, ils vont se construire des frères, construire des parents adoptifs, se construire des lieux où ils aimeraient vivre. Et donc ce chemin inverse entre le monde et eux me plaisait bien, cette courbe inversée. C'est voilà, c'est mes ancêtres, c'est mes grands frères, c'est mes tontons, c'est... C'est toutes ces personnes qui ont un peu été oubliées pendant ces guerres-là. Et c'est des personnes à qui on n'a pas rendu assez hommage. La liberté qu'on a aujourd'hui, la liberté d'entreprendre, de penser, de tout ça, de tout ce qui fait qu'aujourd'hui on est heureux de vivre en France, bah c'est des personnes qui ont contribué fortement. Et tout ça est bien bien expliqué, était déjà dans la BD, le sera également dans le film, et je pense que ça peut réunir beaucoup, beaucoup de monde. On est à la fois sur un film d'aventure, mais aussi une reconstitution historique, un film avec un regard d'enfant, donc l'innocence par rapport à la violence extérieure qu'est la guerre. Donc, oui, je pense qu'on peut réunir un public très large, de 7 à 97 ans. Je pense que le résultat peut être pas mal. Enfin, niveau image, j'ai vu les couleurs, les étalonnages, donc c'est tout ce qui est couleur du film choisi. Moi, je doute pas que ce sera que des belles images. Ça s'annonce un succès, en tout cas sur le papier, on l'a toujours vu comme ça. Même quand j'ai lu cette BD pour la première fois, je me suis dit qu'il y a vraiment quelque chose à faire. J'ai senti qu'il y avait une âme déjà. L'âme n'a pas été trahie, et je pense que nos amis auteurs, créateurs pourront le dire, par Yann Samuel, qui l'a merveilleusement adapté. Je pense que c'est un film qui peut amener beaucoup de monde et qui peut vraiment plaire à beaucoup de monde. C'est vrai que c'est pas hyper objectif venant de moi, mais franchement, c'est un film qui va vraiment plaire à beaucoup de personnes et à toutes les générations. On a déjà commencé la promotion, puisqu'on a déjà travaillé beaucoup avec la presse locale, avec la PQR, avec tous les intervenants possibles en termes de communication dans la région. C'est un film d'aventure, tout simplement. On ne va pas catégoriser le mot aventure, on ne va pas catégoriser le film. C'est un film d'aventure. C'est pour les grands, les petits, les personnes plus âgées, enfin voilà. Et puis voilà, j'espère que les gens, bah, ils passeront un bon moment et que... Voilà, tout simplement, c'est le but du cinéma. On a préparé la promo très en amont, en tout cas sur le tournage, et ça nous servira de relais également au moment de la sortie du film. Le film est connu maintenant en termes de tournage dans la région, et il faudra qu'il soit connu également en termes de sortie cinéma dans la région également. C'est très silencieux.
C'est ça. Il va être super.